On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Franck qui va, Marat la deuxième, Marat la tire en casse sur Rédicace, Rédicace, Marat la des deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck qui va. Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le cadet du jour, direction l'hippodrome d'Anguin, le plateau de Soisy. Faites attention, départ 17h30, donc une semi-nocturne. Quinté sur un 2150 mètres, tracé de vitesse, 16 partants, 8 en première ligne, 8 en seconde. Fermé à 295 000 euros, course européenne. Attention, il est très très ouvert, il risque d'y avoir des surprises. Allongez les jeux. On démarre tout de suite la sélection. Alors ma gagnante, ce sera le numéro 3, Wild Love. Elle a remporté sa course cet hiver après le distancement d'un cheval. Donc un petit peu le coup de chance, mais il en faut aux courses. Il vient de finir deuxième derrière un certain Sobel Conway qui est déclassé depuis quelques mois dans les boxes de Jean-Michel Bazire, marchant 11-7-2007. Va débuter piste plate en France, retrouve l'autostar, bon numéro. Alexis Pratt qui est à la drive, la fille de Love You, devrait pouvoir disputer la victoire dans ce lot-là. Deuxième base, le numéro 6, Comte d'Étité, qui m'a fait des choses que je ne pensais pas capable de faire sur Vincennes. On l'a touché au CDJ à Caen à 6 contre 1 avec un certain Eric Raffin en plein live. Souvenez-vous, 3 sur 4, pilote cheval, déféré des 4 une nouvelle fois. Il a fait un beau meeting d'hiver, 3e, 2e, 1er. Il a battu un certain Kayoka très facilement qui a fait 4e du GNT de Reims. Je fonce. Le challenger, le numéro 8, Martin Debosse, un cheval de classe, mauvais numéro, mais ça me dérange absolument pas, il peut démarrer, se placer. Souvenez-vous qu'il part au galop à mi-ligne droite à côté d'un certain Valzor di Poggio, déféré des postérieurs avec Franck Nivard, là c'est David Thomas. Il fait une semi-rentrée, mais ça me dérange pas, retrouve un parcours de vitesse, je pense qu'il peut finir dans les 5 demain. Attention aux allures. Premier outsider, le numéro 7, DS Noir, jument tout terrain, jument ce que vous voulez, 2100, 2007, à gauche, à droite, bref, c'est un amour de jument. Elle n'a pas eu des parcours à son avantage parce qu'il lui faut un parcours caché, elle est peut-être moins performante sur la scène, revient à piste plate, elle a une belle réussite sur le plateau de Soisy, Anthony Barrier qui est en forme, la longue ligne droite va l'avantager, outsider en puissance. Le deuxième, c'est le numéro 11, Wall Water Love, Sébastien Olivier qui est à la drive, vient de finir troisième d'un bon quintet derrière Domingo Della et Diva du Granit, retrouve un parcours de vitesse qui va l'avantager sur 10 courses que le cheval va courir 7-8 fois, il sera dans les 5 ou 9 fois, il sera dans l'argent. Maintenant, il faut se sortir de ce piège-là, mais j'y crois. La suite du pronostic, le numéro 9, Esperanzo, très mauvais numéro, va falloir que Britzel démarre avec le Bourgeois, sinon ça va être compliqué. Éliminé du Grand National du Trot sur Reims à cause de ses gains, vient de faire bon 3e sur l'hippodrome de Caen en ayant eu une course pas facile. Si le cheval a bien récupéré, malgré le numéro 9, je pense qu'il a sa place à l'arrivée. En 7e position, le numéro 14, Elena Di Quattro, c'est Franck Ouvry qui s'y colle, ce n'est pas Franck Nivard. C'est une jument qui fait toutes ses courses, véritable spécialiste des quintets, 2100, 2007, voilà, on ne peut rien lui reprocher. Pareil, à l'image de Wall Water Love, 10 courses qu'elle va courir, 8 fois, 9 fois, elle est dans l'argent. Il lui faudra la bonne course avec ce mauvais numéro. Et je termine avec le numéro 13, Calimero Dutiol, qui a fait des belles courses août, septembre, octobre dernier. Jean-Claude Allais qui était à la drive, c'est pas trop un cheval de Vincennes, il nous revient piste plate, il est très doué sur les parcours de vitesse, alors à 9 ans, pourquoi pas venir traverser les jeux dans ce genre de quintet, je pense qu'il en est capable. En cas de non partant, le numéro 2, DS de Guéron, qui nous sort d'un hiver sur Cannes-sur-Mer, très sympa, c'est une jument qu'on a touchée plusieurs fois au CDJ, rappelez-vous, en 2019. Maintenant, la jument est dans les boxes de David Beckert. Paul Bloguin qui était à la drive, belle réussite sur Anguin. Pourquoi pas rajouter-la dans un champ réduit parce que le quintet est très ouvert. Ma seule impasse, ce soir le numéro 4, Sirocco de Villiers. Même des Ferrets des 4, pour moi, c'est un cheval de trop monté. Il a pas trop de référence à l'attelage et surtout dans un tel lot, j'ai du mal à le voir à l'arrivée. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, le cheval du jour, hier, en réunion 1, course 4, le numéro 3, Femousport.
Un deuxième CDJ gagnant, donc un coup 2. La monte est tout simplement exceptionnelle. Il n'y a rien à dire. Il a fait un départ lancé pour que son cheval soit bien cadencé. Il ne s'est pas occupé de la course. Un fuyard a fait du train. Il a eu un sang-froid terrible. À 500 mètres du poteau, toujours 5-6e, il s'est faufilé au milieu des autres. A donné un maximum de morale à son cheval. Entrée de ligne droite pour moi, c'était fait. Et puis à mi-ligne droite, il a déposé l'opposition. Donc bravo. Antonin André continue à me montrer qu'il est très doué. On espère un coup de 3 avec Cicero Noah et Yoann Le Bourgeois. Et vendredi 19 mars, en réunion 3, course 3, direction l'hippodrome de Mêlée du Maine, un cheval que je suis depuis de nombreux mois. Il a souvent des derniers kilomètres à 3, à 4, tout seul. Il sort, il va au bout de son effort. Il a été battu 2 fois par un certain Fandango la nuit et Frenchman, donc les lignes sont excellentes. L'opposition de la course, c'est Faro du Bonan qu'on a touché récemment. Frankie Satine, Follow Me Flash, voire Fear Factor, c'est un lot très homogène. C'est un parcours de vitesse, mais le cheval a moins de références sur les tracés de vitesse, mais c'est un 2600, moins grave que si c'est un 2000 ou un 2100. Donc le CDJ en réunion 3 course 8, le numéro 3 Faredjo Menuet, déféré des 4, William Bigeon, entraîneur, propriétaire, driver. Cheval très courageux, très dur. S'il a la bonne course, je pense qu'il peut disputer la victoire dans un tel lot, j'y crois. Voilà, nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite d'excellents jeux. Merci à tous. N'oubliez pas la page Facebook qui a été créée il y a quelques jours. Venez en masse pour partager la passion des chevaux. Merci, ciao. Tell me, tell me, tell me.